Avec leur propriétaire, tous les chevaux qui seront présentés devant l'association hippique de Sévérac. Et les propriétaires pourront retirer les photos chez les photographes de Sévérac. Ouais, mais je fais une machine. Pas dedans, hein. Non, parce que... Il passe là. Donc cette âne est un baudet du Poitou. On me pose souvent la question, il a les poils longs. Oui, en effet. C'est sa manière naturelle d'être là. On attend. Oui, il travaille. Après l'âne. Bonjour à tous. Voici, moi je suis venu donc avec Melescan. C'est un cheval frison qui est âgé de 17 ans. Et en plus, donc, c'est un cheval entier, c'est-à-dire que c'est un mâle qui n'a pas été castré. Ce qui explique son caractère un peu plus fougueux que les autres. Hein. Je voudrais ajouter que ce cheval, cette figure équestre, servit de modèle à beaucoup de dessins, voire de peintures du 15e, du 16e, du 17e siècle. L'avantage de ces poneys-là, c'est qu'ils sont très gentils, très familiers, notamment dans les disciplines sportives où ils excellent un peu plus que certains poneys. Donc c'est vrai que c'est des poneys qui sont intéressants pour au loup, mais c'est vrai que c'est des poneys qui sont intéressants dans ce sens-là. Et c'est vrai que nous, on les utilise au club parce que justement, ils peuvent être montés par beaucoup de cavaliers. Voilà. Après, donc souvent, ces poneys-là, bon, les trois que vous avez sont gris, mais on peut rencontrer plusieurs robes dans la race. On a aussi bien des alezans que des baies, du noir, hein, on peut trouver du noir. Le pi n'est pas accepté par contre. Souvent on trouve des poneys pi, mais dans la race. Mmh. Moi c'est Anita, une mule de 3 ans et demi, ou là, qui est attelée, qui a fait du débordage, qui a fait des travaux agricoles un petit peu. Mais c'est un petit bébé de 3 ans et demi quand même, vous voyez, il a déjà de la puissance. Et dans le Sévéraillais, était quelque chose de très très important. Voilà, magnifique. Merci beaucoup. Magnifique. Pour ceux qui ne savent pas, Sévérac a été pendant très très longtemps, et encore cette année, un grand site de l'endurance. C'est qui est demi-sang anglo arabe. Fils de Batin du Bost, voilà, il a 11 ans. Voilà. En tout cas, c'est de l'anglo. Ah oui. Ça se voit. Merci. Il faut être cavalier, hein. Voilà. Donc, ce sont deux petits bébés de 18 mois et 19 mois. Vous avez une mule poitevine de couleur Isabelle, ce qui est rare. Il n'en est pas 10 en France tous les ans, de cette couleur. Alors, c'est une sac français de 4 ans. Enfin, elle, c'est surtout les attributs en concours de course. Après, il y a des attributs dans toutes les disciplines, sauf en course. Alors, il faut préciser quand même que les Camargués, ce sont des chevaux vraiment spéciaux. Hein. Ils sont dociles, ils savent tout faire, ils sont très courageux. Pas le même. Ah, mais je moquais. Des particularités sur l'espagnol, c'est ce que je connais. Très souple. Un cheval très très souple. Il est souple, donc un cheval très souple. Souple dans la démarche, souple dans l'assiette. C'est lui où il garde. Bonjour.
Et je suis bien content de voir tous ces chevaux. Ça nous rappelle l'ancien. L'artiste, un mulet de 3 ans, d'une jument bretonne et d'un baudet du Poitou, Léana. Il est attelé depuis peu. Il m'a 18 mois et elle passe sa vie au champ, elle est contente. Je vais te parler, moi, c'est toi qui parle. C'est pas interroger les deux. T'avais raison. Alors il s'appelle Noé, comme le petit d'homme. Par contre, tu l'attelles souvent, toi? Assez souvent, mais il n'y a pas grand monde pour venir me donner un coup de main. Vous avez compris? Elle a 3 ans. Et c'est le centre de parc. C'est le Bretonne. Si. Oui, tu montes là-haut, tu reviendras pour la photo, hein? C'est une bretonne de 5 ans, voilà, qui a gagné pas mal de concours en région. Elle a été première départementale il y a 2 ans. Ouais, c'est pour ça que je le dis. Parce que, on croit que c'est facile. C'est pas facile de prendre un cheval comme ça. Hein. Il s'agit de Frite, qui commence à être connue un peu dans les rues de Sévérac. Depuis 20 ans qu'elle y trotte. Enfin non, 17 ans d'attelage, 20 ans d'âge. C'est une bretonne aussi. Je voudrais féliciter tous les éleveurs qui ont amené leurs chevaux ici aujourd'hui. Pour moi, c'est ça me remue le cœur. Donc maintenant, il est temps de faire le concours des chapeaux de Catherinette. Et on a signé donc un partenariat avec le Téléthon. Donc une partie de la recette du bal d'hier soir sera versée au Téléthon. Merci Georges, merci. Merci à tous les bénévoles. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. C'est... Hier, quand j'étais petit, j'avais le même. Il a fallu que ce soit les vœux qui me le flamme. Ils me l'ont escagassé, ils me l'ont bandé, ils m'ont tout cassé. Oui, j'avais.